J'ai pas d'idée. Bah, tu parles de quoi, Seb? Bah, comment on va souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année à nos clients? Un truc un peu innovant, pas chiant, et surtout pas long, quoi. J'ai pas d'idée. C'est ça le problème, hein. À force d'innover à longueur d'année, t'as épuisé ton stock de créativité, hein. Moi, je serais toi, je leur balancerais un truc vintage. Pareil que c'est à la mode, d'après mon fils. Ça y est, filou. Ça y est. Quoi? J'ai une idée. Balèze, le type. Je vais en parler au dirlo. Kevin, j'ai croisé Sébastien dans le couloir. Il m'a parlé d'un super méga projet pour dire à nos clients que nous sommes très contents d'avoir travaillé avec eux en 2021 et surtout pour les remercier. Tu es au courant, toi? Bah non, non, on m'a rien dit. Ah, j'espère que c'est pas encore un truc où il faut parler devant une caméra. À chaque fois, tous les ans, je me retrouve à devoir parler devant une caméra et j'aimerais bien remercier les clients pour leur superbe collaboration tout au long de l'année. Mais dès que je vois une caméra, c'est plus fort que moi, je tétanise, je sais plus quoi faire. C'est vrai, c'est pas toujours facile. Maintenant, ça fait un petit moment qu'on a pris l'habitude de parler à nos clients via une caméra, autant les formateurs en classe virtuelle que nous, équipe commerciale, pour nos rendez-vous. Oui, ouais, écoute, on verra bien, on verra bien. Oui, je crois que je vais aller m'entraîner. T'as entendu, Aude s'est enfermée dans les toilettes, elle n'arrête pas de chanter. Elle prépare son solo. Son solo, pour quoi faire? Pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à nos clients. Oh là là, l'équipe marketing a encore dû prendre une super idée. Mmh, tout à fait. J'ai hâte de voir ça. Tout à fait. Mmh. Bon, vous êtes prêts? Mmh. 3, 4. Nous vous souhaitons bon, vous n'êtes pas totalement nuls, mais ça rend pas comme je l'avais imaginé. Je pense qu'on va faire comme tout le monde. Ouais, bah, je pense que ça vaudra mieux. Hein. Bonne